c'est un espoir qui renaît hein, avec l'ouverture des commerces dès demain, les terrasses des cafetiers et des restaurateurs. C'est un réel espoir parce que la vie est en train de reprendre le dessus. Alors bien entendu, il ne faut pas négliger les gestes barrières. Inviter chacun à la vaccination parce que c'est ça qui fait reculer le Covid, et chemin faisant je pense qu'on peut retrouver le chemin du bien vivre et de la bonne humeur parce que la période a quand même été extrêmement difficile. Voilà. Alors donc nous accompagnerons ensuite cette ouverture par un programme d'animation très, très étoffé sur tout le mois de juillet et tout l'été. À partir du dimanche 13 juin, nous démarrons un marché hebdomadaire de brocante en centre-ville sur l'esplanade de la gare. C'est un événement qui doit amener de l'animation le dimanche. Cette brocante se tenait jusqu'à présent, vous le savez, devant Intermarché. L'Intermarché ayant décidé de récupérer son parking pour cause d'ouverture le dimanche, eh bien, nous avons saisi cette opportunité de déployer la brocante. C'est un beau marché de qualité. Moi, j'ai l'habitude d'y aller de temps en temps. Et donc, ça se déroulera à Clermont. Il faudra aussi des animations musicales, Monsieur Eric, hein, pour mettre un peu d'ambiance. Donc, ça aura lieu tous les dimanches.